je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc moi c'est Sophie, alias Fifi Branchil sur Instagram. Et voilà, on va parler couture et tricot avec un petit peu de crochet. Et c'est l'épisode donc de fin novembre 2021. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ce que je porte. Pour une fois, ça serait bien que j'y pense. Donc, c'est un pull que j'ai tricoté il y a maintenant un petit moment, hein, je ne sais plus quand. C'était un test pour même les anges tricote. Et donc, c'est un pull qui est toujours en vente. Hein. Il s'appelle le pull Heather. Et je l'avais fait en... elle ressemble beaucoup au modèle de présentation, d'ailleurs, de Laetitia, de même les anges tricote. Et moi, j'avais fait en Arco Iris Yarn 100% Merino Fingering et des restes de l'Enamouré d'ailleurs. Et de la Kid Silk, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est un pull qui est très très chaud parce que, voilà, vous voyez, il a un bon col près du cou. C'est un peu le pull que j'ai le plus près du cou, comme ça. Il est très chaud. Donc là, en ce moment, je l'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le pull de fin novembre, décembre. C'est surtout là que je le porte, en fait, dans les faits. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par la couture, parce que ça va être très rapide. Et je voudrais que quand même ce podcast soit un peu plus rapide, parce que j'ai vraiment galéré à charger la vidéo, la dernière vidéo sur YouTube. Il me l'a automatiquement mis en basse qualité. Je pense que c'est parce que c'était trop lourd, je ne sais pas. Donc on va éviter de faire des vidéos trop lourdes à l'avenir. Donc ça veut dire peut-être moins de musique, moins de vidéos, images incrustées, des choses comme ça. Tant que j'ai pas résolu en tout cas ce mystère. Alors pour la partie couture, je vais commencer. Donc j'ai que deux réalisations enfants à vous montrer, c'est pour ça que ça va aller vite. Donc d'abord une... les deux, c'est des commandes de ma fille, hein, tout simplement. Ma fille m'a réclamé donc un legging noir pour la danse. C'est le cours qui exigeait, en fait. Hein, c'est pas ma fille qui réclamait spécialement, mais voilà. C'était imposé par le cours de danse moderne jazz. Et ma fille étant très menue, elle n'est pas du tout dans les standards pour porter des leggings. Et donc, moi, ça sert à rien que je lui achète des leggings. Soit ils sont trop larges, soit ils sont trop courts, en fait. Donc, je préfère les faire moi-même. C'est pas de la couture passionnante, mais voilà. Il se trouve que j'ai un modèle de legging dans ce numéro d'octobre que j'ai déjà fait. C'est mon modèle de legging. Je fais toujours celui-là. Il date, hein, cet octobre. Il date c'est le 6/2013. Donc, il date de 2013. Ma fille avait 2 ans à l'époque. Et donc je lui fais toujours ce legging. Alors il s'arrête à la taille 122, mais c'est pas grave. Ma fille fait 150 cm, ok. Mais elle est tellement menue que c'est pas grave. Je peux prendre la taille 122, j'ai pas de problème. C'est suffit que j'allonge, tout simplement. Donc j'ai rajouté 10 cm, je crois seulement, à la taille 122 d'ailleurs. C'est pas très logique. Hein. Ça suffit pour que ça lui aille. Bon, après, si, c'est logique qu'on rajoute pas 150 moins 122, hein, parce que toute la différence de taille n'est pas que dans les jambes, évidemment, hein, c'est partout. Donc voilà, ça suffit. Vous voyez, c'est hyper simple, il n'y a que deux morceaux de patron, il n'y a même pas de ceinture ajoutée, en fait. On replie le haut pour faire la ceinture. Il y a une pièce optionnelle qui est la genouillère, mais moi, je ne lui fais pas ça. Et par contre, ce qui était important, c'était le tissu. Je ne l'avais pas. Il voulait absolument un tissu lycra pour ça. Donc, j'ai cherché sur ma petite mercerie et ils vendent du jersey lycra. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça a de spécial par rapport à du jersey. Alors, évidemment, ça attrape toutes les... Tous les... Ah ben, ça se voit tellement plus à la caméra qu'en vrai. C'est dingue. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça a de spécial en plus. Je ne sais pas si ça fait la mise au point. Voilà, on voit pas grand chose, hein. J'en profite pour vous montrer la couture d'élastique, mais à part ça, c'est pas très passionnant. J'ai mis une petite étiquette en plus, hein. C'est mes vieilles étiquettes que j'avais fait faire à l'époque, je sais même plus où tellement ça date. Et j'en ai toujours. Et là, on peut voir en fait que j'ai utilisé un fil mousse pour faire la couture, parce que c'est pas une couture... Si c'est ça, c'est une couture à l'aiguille double et quand je suis sur du jersey comme ça, j'utilise un fil mousse derrière et j'en ai qu'en blanc. Donc ça fait blanc derrière. En vrai, ça se voit pas. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est très très long. Voilà, voilà. Donc voilà, pour des tenues de sport, je conseille bien ma petite mercerie, hein, parce qu'ils ont plusieurs choix de couleurs.
Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Si on n'a pas l'occasion, parce que même moi d'habitude j'achète plutôt au tissu d'Ursule quand j'ai comme ça besoin d'un tissu particulier uni, mais là j'avais pas trouvé de tissu lycra. C'était, il y avait du jersey, mais ça, voilà, j'étais pas sûre de mon coup. Là au moins c'était bien écrit que c'était ça, donc voilà. Voilà pour ce modèle, franchement, pas compliqué, hein. Octobre, moi, c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas les explications. Il vous explique, enfin, moi, j'aime pas trop, enfin, comment vous dire. Alors, oui, j'ai cousu à la surjeteuse, évidemment. Après, ils disent d'utiliser la recouvreuse, merci, mais enfin, tout le monde n'a pas de recouvreuse. Enfin, non, mais ils disent, hein, pardon, je suis méchante, mais non, ils disent, ou avec un point de surjet décoratif de votre machine à coudre, par exemple, le nid d'abeille. Bon, non, moi je fais la double aiguille de la machine à coudre, ça va très bien. J'ai fait ça donc à la ceinture et à l'ourlet évidemment. Et l'ourlet, en fait, j'ai dû le faire hyper petit parce que il s'est avéré que c'était quand même court. J'aurais pu ajouter franchement 5 cm parce que j'ai fait l'ourlet hyper, hyper, hyper petit, le minimum que j'ai pu faire parce que c'était trop court en fait. Je crois que le zoom se fait mal, hein, sur du noir. Désolé. Donc oui, il faudra encore que j'allonge le patron si je dois lui en refaire un. Je vais vous mettre une photo là. Oui, voilà, elle est toute menue. Donc moi, c'est pour ça que j'aime pas trop lui faire de leggings. C'est pas forcément adapté à sa morphologie. Mais voilà, pour la danse, il n'y a pas le choix. Donc c'est même pas sa tenue de danse que je vous présente là parce que j'ai pas de photo. Puis je sais pas, ça me gêne un peu parce que la tenue de danse, enfin le haut est imposé, est fourni par l'école de danse. Ça me gêne un peu de le mettre comme ça en public. Pas très envie. Voilà, donc c'est sur le blog d'ailleurs, et sur le blog d'ailleurs c'est accompagné de deuxième modèle que je vais vous présenter parce que voilà, je trouvais qu'elle avait les deux sur elle, donc j'ai profité pour faire un article de blog qui parle des deux, comme ça c'est c'est parti. Alors le deuxième modèle, tout est parti de ce transfert textile de la marque Superbison. Ça fait un bail aussi que j'ai ça. Je voulais absolument lui faire donc un t-shirt à manches longues ou un sweat avec ce modèle. Et j'avais jamais le tissu en stock qui allait. Donc là, je me suis dit, allez, cette saison, franchement. Si ça sent pas l'automne, ça. Cette saison, allez, j'ai besoin. À ce moment-là, je cherchais du tissu pour faire ma jupe que j'ai patronnée moi-même. Vous vous souvenez, j'en ai parlé la dernière fois. Bon, ça n'a pas avancé, ça. J'ai fini. J'ai fini ma jupe. Elle est portable maintenant. J'y arrive pas, enfin je trouve qu'elle fait pas hiver. J'aimerais bien vous mettre des photos là, mais en fait j'ai pas réussi encore à faire de photos, il fait trop froid, j'ai pas envie de mettre cette jupe, je sais pas. Bah les roses, ça fait pas très. Je mets pas des jupes roses en hiver moi. Ah l'été, y a pas de problème, hein, mais l'hiver j'ai plus de mal. Bon bref. J'y allais pour acheter du coton et donc j'en ai profité pour acheter un sweat pour faire un sweat avec ça dessus, et donc il fallait absolument que ce soit clair. Donc j'ai emmené ma fille parce que je voulais qu'elle choisisse au tissu d'Ursule, et voilà, je l'ai un peu orientée quand même parce que j'ai dit il faut que ce soit clair, et voilà, on est tombé d'accord sur du rose clair, tout va bien. Et franchement, c'est nickel hein, avec ça, vous allez voir. Donc d'abord, je vous parle du patron quand même. Qui dit sweat dit burda chez moi, je préfère franchement. Burda à Autobre pour tout ce qui est sweat. Je préfère les explications de Burda à Autobre, tout simplement. Donc, le numéro de Burda que j'ai utilisé, c'est celui-là. C'est devenu mon Burda fétiche. C'est le Burda de 12-2018, décembre 2018. D'ailleurs, je me suis empressée de voir si c'était pareil sur celui de décembre 2021, mais non. Il n'y a pas de patron pour pré-ado dans celui de 2021, mais en 2018, il y en avait bien. Donc c'est ce que j'aime dans celui-là, et surtout c'est des basiques. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a même un modèle pour homme qui me plaît beaucoup aussi. Alors, il faut que je vous le retrouve. Par contre, 128, c'est le modèle 128 de Burda qui est présenté en page 15. Et alors, c'est pas le modèle de présentation qui nous aide à avoir le potentiel de ce pull parce qu'il est présenté avec un tissu très spécial, très brillant. C'est celui-là de la petite fille. Et donc, ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'il va de la taille 140 à 164. Donc, ça peut même aller à un adulte. Surtout qu'en fait, ça taille grand.
Donc, on ne voit pas du tout à quoi ressemble ce modèle, je peux vous le dire, parce que, alors, est-ce qu'il est là? Si, là, on voit mieux sur le dessin, vraiment, parce qu'il y a un petit truc qu'on voit, c'est que c'est plus long derrière que devant. Ce qu'on ne voit pas du tout avec une photo comme ça, merci bien. Ils ne sont pas très forts là-dessus, des fois. On préfère faire des belles photos que des photos très claires, quoi. Donc, on voit bien que c'est un modèle très, très simple, juste une bande d'encolure rajoutée, sinon, voilà, avec des ourlets classiques. Juste cette petite forme un peu liquette. J'ai demandé à ma fille, parce que c'était très facile de changer le bas, hein, de faire tout droit. Elle m'a dit non, non, moi je veux bien comme ça. Ok, on y va. Pour choisir la taille, parce qu'avec Burda, il faut savoir quand même que ça taille grand pour les enfants en général. Mais bon, je vérifie toujours. Donc j'ai sorti la planche patron. J'ai mis un pull à elle, bah, le dernier là, que je lui avais fait avec les écureuils. J'ai mis dessus pour choisir la taille. Et il s'est avéré qu'il me fallait la taille 146. Quand on sait que ça commence à la taille 140, ben voilà, c'était la deuxième taille, tout simplement. Donc j'ai de la marge pour y lui faire longtemps, ce modèle. Donc, bah, j'ai pris la taille 146 pour ma fille de 150 cm. Un bon 150 maintenant, je ne sais pas à combien elle est. Et bah, je vais vous mettre une photo, il reste très grand, hein, il est quand même très 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 bien. Voilà, il fallait pas que je fasse plus grand. J'aurais pu faire plus petit. Alors l'avantage c'est que j'ai pas eu besoin d'allonger au moins, c'est ça quand même l'avantage, donc ma foi, elle pourra le porter longtemps, c'est pas plus mal. Donc bah, moi c'est pas du tout le même style que sur la présentation, vous imaginez bien, je vous ai montré le renard et puis le tissu, donc voilà, on n'est pas du tout sur la même chose. Voilà, le résultat. Alors j'ai tellement attendu hein, que le pull est grand maintenant par rapport au motif, hein. Au départ il aurait dû prendre plus de place que ça. Le t-shirt autour aurait dû être plus petit. Mais voilà, c'est quand même, moi je trouve ça adorable, adorable. Ça lui va super bien, je trouve. Et puis voilà, ça va très bien sur les leggings. Alors oui, je suis désolée, il est froissé parce que ma fille l'a porté. C'est quand même un sweat qui froisse, mine de rien. Alors c'est un sweat, c'est tout doux à l'intérieur. Hein. C'est les tissus d'Ursule. Hein. Ils font ça et ils ont plein de choix de coloris, c'est top. Hein. Et puis bah ça, c'est super facile à poser aussi. Hein. Ils expliquent. Et alors pour tout vous dire, bah, je l'ai collé avec mon fer vapeur, donc ce qui n'est pas préconisé du tout, mais ça marche quand même. Bon, voilà. Donc j'ai quand même un vieux fer hein, que je peux utiliser sans vapeur, mais là franchement j'ai vu que ça marchait, donc je ne suis pas embêtée. Donc je suis complètement fan de ce sweat qui est hyper facile à faire, vraiment le basique. Et alors il se trouve en plus que dans ce burda, il y a juste à côté du modèle 128, le modèle 127. Et surtout bah, que c'est encore un modèle de suite. Donc je vous montre, il y a ce petit modèle de suite aussi juste avant en 127. Et donc bah, je l'ai découpé. Voilà, donc vous le verrez dans le prochain épisode. Et alors là, je suis déçue de ne pas avoir vu ça plus tôt parce que là, Noël approche à grands pas. J'ai pas le tissu, donc je pense que je vais pas y arriver. Mais il faut savoir, regardez le modèle de sweat à capuche que je suis en train de faire, c'est celui-là. Et regardez ce qu'il y a sur la même page. Et là, je me dis, mince, j'aurais pu le faire aussi, le même sweat pour mon homme, pour mon ami, pour n'importe quoi, pour Noël, pour mon compagnon, comme cadeau de Noël. J'aurais trouvé ça marrant de lui faire ça, mais franchement, est-ce que je vais avoir le temps? Bah, il reste moins d'un mois déjà, hein. Alors, on me dirait, c'est pas long à faire, mais là, je trouve pas le temps de coudre. Enfin, vous voyez, je vous montre deux pauvres petits trucs. Je viens juste de couper donc le sweat à capuche pour ma fille. Elle le veut pour avant Noël ou Noël, ça c'est clair. Bon, c'est rapide à. Alors, c'est moins rapide quand même à coudre. Hein. Il n'y avait qu'un rond pour celui-là. Forcément, il y en a deux pour le sweat à capuche parce que bah, rien que le fait qu'il y a des œillets à faire là pour la capuche. À moins que je lui fasse pas, faut que je vois avec elle si elle veut passer un cordon ou pas. Parce qu'en plus, là, ce qui est nul, c'est que ils font faire les œillets, mais. Alors, attendez, j'arrive à vous le montrer. Oui, voilà, il est là. Vous voyez, ils font faire les œillets, mais ils passent pas de cordon. Alors que dans le modèle adulte, ils font les œillets, mais ils montrent un cordon. C'est ça que je veux dire. Là, on voit bien. Là, on voit pas. Et en plus, ma fille veut que ce soit comme le modèle adulte, elle veut la poche. Donc, j'ai trouvé un autre modèle Burda où il y avait une poche et j'ai décalqué la poche de l'autre modèle. Et puis voilà.
On va voir ce que ça donne. Mais voilà, ce modèle de décembre 2018, ce magazine, je l'adore. Il va me servir beaucoup, 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 je le sens. Depuis que ma fille fait plus de 140 cm. Voilà, donc on va clore la couture ici. On va passer au crochet d'abord, à l'écrochet. Alors voilà, on va passer 5 minutes sur le crochet parce que ça y est, donc j'ai terminé. Bon, ça fait déjà un petit moment quand même. J'ai terminé. Alors attendez, c'est dans le sac déjà pour préparer le calendrier de l'Avent. Alors, normalement, c'est des petites bottes Letty Bricole, mais il est trop gros pour tenir dans une botte Letty Bricole. Et donc, j'ai des petits sachets comme ça, là, qui permettent de se substituer si ça rentre pas dans les bottes classiques. Et donc voilà mon petit amigurumi que j'ai fait dans le cadre d'Unitich. Il y avait un cal, c'était un mystery cal, donc on ne savait pas ce qu'on faisait. Et surtout en plus il y avait plein de possibilités. D'ailleurs ça me donne un petit peu envie de le refaire avec les variations que je préfère, parce que là j'ai pas choisi. C'est ma fille, j'ai fait répondre aux questions à ma fille. Alors j'ai adapté un peu parce que les questions étaient orientées tricot, donc ça je vous l'ai déjà dit dans le dernier épisode. Hein. J'ai dû adapter pour que ça lui corresponde. Et donc elle a répondu, mais elle ne sait toujours pas pourquoi elle a répondu à ça. Elle va le savoir le 1er décembre, ça va être le premier cadeau de calendrier d'Avent. Et donc ça fait quand même un patronus. Alors c'est censé être un patronus qui est quand même spécial. Hein. Avec sa petite queue. Donc des bois de cerf, des petites oreilles de je ne sais quoi, j'en sais rien, des ventouses sur les bras, une jupette sans jambes. Ça me donne envie de lui faire des jambes en fait. Parce que j'ai envie de dire que c'est une jupette. Alors c'est pas censé être une jupette du tout, hein. Mais alors moi je vois qu'une jupette là quand je vois ça. Et donc je me dis bah mince, on mettrait, voilà. Vous imaginez là s'il avait des pattes, ça serait peut-être mieux, hein, de faire deux petits boudins. Le problème c'est que je suis nulle en... pour deviner ce qu'il faut, pour designer du crochet. Moi, je me dis peut-être que je pourrais refaire la même chose que ça, mais c'est peut-être pas assez large pour faire des pattes quand même. J'aurais bien refait ces deux boudins-là sans les petits bouts, là. Bon, il y a pas mal de couture quand même. Hein. Faut coudre ce petit machin à ça, l'oreille évidemment à ça, ça à ça. Enfin, on coud beaucoup. Hein. C'est un peu ça l'inconvénient du crochet par rapport au tricot. C'est que... il y a beaucoup de couture, mais en même temps c'est hyper rapide, enfin évidemment il y a très peu de métrage, hein. Ça n'a rien à voir avec, avec le fait de faire un pull évidemment, ou un grand châle à 5 échevaux par exemple, donc non c'est quand même hyper rapide, donc j'ai adoré faire ça, voilà, j'y passais peut-être, je sais pas moi, une bonne demi-heure par semaine, oh pas beaucoup plus moi à mon avis, je sais pas, en même temps je faisais plutôt 10 minutes, puis après 10 minutes, et puis encore 10 minutes, alors bon. Si c'était pas pile 10 minutes, ça faisait pas tout à fait 30. Voilà, donc c'est pour rappel, hein, j'ai juste dû acheter cette laine-là. Alors c'est dommage, c'est ce qui a servi le moins. Donc ma pelote paraît intacte. C'était de la langue, j'ai trouvé ça à ma mercerie, du coton, hein, du pur coton. Et ça j'avais en stock, ça aussi. Donc et puis alors, ça brille, hein. C'est ça qui est sympa quand même. Vous voyez, ça brille, c'est de la fulle d'art. Ah, j'y étais presque, hein. Voilà. On voit que ça brille. Et puis elle adore la laine bleue. Elle l'a vue, la laine bleue en pelote. Elle a dit « Oh, j'adore !» Bon, bah voilà, elle va l'avoir. Donc, par contre, c'est pas du tout fait, ces deux-là, pour être du crochet. Ce qui fait que ça se dédoublait. Enfin, ça se voit, hein, le bleu, il est fait de plusieurs fils. Donc, ça se dédoublait. C'était un peu pénible à crocheter. Hein. Vraiment, ce que je préférais crocheter, c'est ça. Bah oui, ça, c'est du fil, vraiment, pour le crochet. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est dans son petit sac. Je suis à la bourre pour son calendrier de l'Avent. Faut que je fasse ça rapidement. D'ailleurs, il y a, il y a une partie des chocolats qu'elle va avoir, mais bon, je vais pas faire de la pub, c'est pas la peine. Et puis, elle va avoir un, ah bah, elle va avoir aussi des, elle va avoir un calendrier d'avance sur le thème d'Harry Potter. Je vais trouver des énigmes sur internet. Faudrait que je vous mette le lien dans la description en bas, parce que finalement, je me souviens pas. J'ai compris que c'était une enseignante qui a fabriqué ces énigmes. Bon, alors le décorum et Harry Potter, les énigmes sont pas franchement sur le thème d'Harry Potter, ça par contre, bon, je me suis dit mince, ça va peut-être pas lui plaire, on verra, elle aime bien quand même les énigmes, donc voilà, je vais essayer de la motiver comme ça, en disant qu'il y a quand même une récompense au bout, donc voilà, et en récompense au bout, bah, j'aurais bien aimé lui offrir aussi quelque chose que j'aurais fait moi-même, mais alors je m'emballe je pense.
J'ai quand même fait un sac à projet, donc j'ai repris. Parce que qui dit modèle Harry Potter dit le sac de ma copine Christelle, à chaque fois je le reprends. C'est pas souvent, mais bref, j'ai pris pour le Patronus, et puis là, je me suis fait un petit combo de laine. Pour tenter de faire un amigurumi de Harry Potter cette fois. J'en ai trouvé un gratuit sur Ravelry, je vous mettrai le lien, mais alors je m'emballe complètement. Je pense que je vais pas avoir le temps. Donc je pense que je vais le commencer, mais alors est-ce que je vais le finir pour Noël? Ça, parce qu'en fait le 1er décembre arrive à grands pas, et le 1er décembre je commence le gnome. Alors, du coup, je sais pas si je vous montre les couleurs d'Harry Potter. Alors je vais quand même vous montrer quand même l'étendue des dégâts, c'est que j'ai plein de coton, parce qu'à une époque je crochetais. Donc j'avais investi dans plein de coton, sauf que je me suis vite arrêtée, j'ai quasiment rien crocheté. Donc j'en ai deux, mais je crois que j'ai que celle-là. Oui, j'ai que celle-là qui est encore bien bobinée, parce que les autres, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce que, si c'est moi à l'époque qui prenais pas soin, ou si c'est ces pelotes qui sont terribles, je ne sais pas. Bah, toutes mes autres couleurs sont comme ça. Donc ça, je vais faire blanc, j'ai prévu du blanc, enfin bref, pas acheter de laine, donc il aura un visage blanc, tant pis. Il faut du noir pour ses cheveux, ça tombe bien, j'en ai. Donc voilà, c'est. À l'époque, j'ai acheté de la Natura DMC à ma mercerie. Alors, pas celle où j'achète langue, hein. C'était une autre. Hein, parce que celle où j'achète la langue, elle a pas de DMC. Elle fait que de la langue, je crois. Enfin, je dis ça. Enfin, je vois que de la langue chez elle. Elle a peut-être autre chose de cachée quelque part. Mais... Voilà, donc j'ai du noir, j'ai du blanc. Il se trouve que j'ai du rouge. Faut du gris aussi. Ça tombe bien. Oh, non, vous avez vu l'état des pelotes? J'ai. Oh là là, mon Dieu. Alors, c'est du rouge. Hein. C'est du rouge. Non, ça veut pas. Hein. Alors, c'est vrai que c'est un rouge un peu pétant. Mais c'est pas rouge comme ça. Non, mais c'est pire. Pff, mon Dieu. Et j'hésite juste sur le jaune. Parce qu'en fait, il faut faire l'écharpe d'Harry Potter. Donc, l'écharpe d'Harry. Ah, mais de toute façon, vous ne pouvez pas m'aider. Les couleurs sont pas bonnes. Donc j'ai deux jaunes différents. Je ne sais pas lequel prendre encore. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui fait le plus Harry Potter. On me dirait qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Hein, voilà. Je sais pas s'il faut partir sur un jaune vif pour Harry Potter ou un jaune plus terne. Parce qu'on voit bien quand même que celui-là est plus terne. Voilà, je ne sais pas. Bref. Je vous en parle sans être sûre de le faire. Si, je vais le commencer. Je pense que je vous montrerai comment c'est quand même la prochaine fois. Parce que là, je vais avoir le temps d'ici le 1er décembre, mais ça arrive super vite le 1er décembre. Donc, je vais pas avoir le temps de faire grand-chose. En fait, on va passer à la partie tricot. Alors, en tricot, donc, bah, je vais vous montrer tout de suite. Je vais faire à l'envers. Je vais commencer par mon projet à venir. C'est un peu bête, hein, parce que, voilà, on est parti dans les petits personnages. Je continue. Donc, je vais faire le gnome donc, de Sarah Chira, le Mystery. Ça commence le 1er décembre, donc j'ai déjà choisi ma laine. Donc il faut une couleur peau, donc j'ai choisi de reprendre mon reste de beige rosé de mon écharpe Saïfa, de mon col Saïfa, donc de la bébé Mérino de Fenty. Je voulais après être absolument dans les tons de Noël, donc pour moi il fallait absolument que je prenne le reste de mon gilet rosa. Bon, bah, aujourd'hui les rouges, c'est n'importe quoi, hein, qui est tellement, tellement beau ce rouge en vrai. Voilà, je voulais que ce soit Noël, donc croyez-moi sur parole, je vous mettrai peut-être une photo. C'est vraiment un rouge Noël, et j'ai décidé de prendre le reste aussi de mon châle holographique, je vous montre juste après, qui est vert, qui fait franchement vert sapin en vrai. Oh ouais, c'est pas mal, là vous l'avez bien. C'est juste ça qui va pas, donc voilà, j'ai vraiment envie de faire dans les tons de Noël. Et puis voilà, après je voulais un ton un peu plus neutre quand même pour pas être trop multicolore. Donc j'ai choisi ce gris qui a l'avantage en plus d'avoir des paillettes. Donc pour moi ça fait Noël, c'est génial. Ça c'est de la laine amourée, c'est un reste de mon Sophie Did. Et ça c'est une couleur, je suis même pas sûre qu'elle la vende parce qu'elle me l'avait. C'était une erreur de teinture qu'elle m'avait vendue pour mon Sophie Did, ça m'arrangeait énormément. Donc, je ne suis pas sûre que ça se vende, mais voilà, c'est un gris avec de la stéina argent. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà, mon idée, c'est ça, c'est ce combo-là. Donc, je vous en parlerai. Alors, peut-être, j'ai envie de faire un vlogmas, c'est-à-dire me faire un vlog sur décembre, comme j'avais fait l'année dernière. Alors, je vais essayer de le faire un petit peu mieux.
Je vais essayer de m'inspirer de Rose et Balle de laine pour le faire un peu plus sympathique, mon vlog. On va voir si ça marche. L'idée dans mon vlog, c'est que vous me suiviez dans mes aventures tricot, couture. Et puis en plus, comme Rose et Balle de laine, Ludivine, je vous emmènerai quand j'irai aux poules, je vous emmènerai quand je fais des gâteaux. Et puis bah, je vous parlerai aussi calendrier d'avant au jour le jour, quoi. C'est ça l'idée. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais tenter. Donc vous verrez. Si vous êtes intéressé, vous verrez l'avancement. Du coup, je vous partagerai l'avancement de mon gnome de Noël. Voilà, j'ai bien hâte. Donc, pour toujours faire dans le désordre, on va passer au projet fini. Bah, j'en ai qu'un de toute façon. Enfin, j'en ai un autre qui est quasiment fini, mais pas de bol. Il me manque 2-3 rangs à faire pour que ce soit fini. C'est pas grave. On va passer au gros morceau. Alors, c'est plus mystérieux, hein, le cal de Stephen West, le chorégraphie. Donc, je vous l'ai montré sur Instagram. Il faut que je fasse l'article de blog très rapidement. Il devrait être très rapidement sur le blog. Et voilà la bête. Ah, c'est bien, je vois à travers. C'est super pratique. Ah, faudrait que je fasse une miniature de ça. Ça serait pas mal comme pour le podcast, non? Ça serait pas mal. Voilà. En plus, j'adore. Il sent bon encore. Il sent. Je l'ai porté 2 jours pourtant, mais il sent encore la lessive Eucalan, je crois. Ça sent bon, j'aime bien. Voilà. Donc la bête, je l'avais montrée en cours et ça y est, j'ai terminé. Alors, je vous cache pas qu'à la fin, j'en avais un peu marre. Donc, si vous voulez plus de détails sur les laines et tout, je vous renvoie à la vidéo précédente. On va pas faire une vidéo encore d'1 heure. Ça serait bien que je fasse un peu plus court. Là, ce que je peux vous montrer, c'est le résultat fini et puis ce qui donne portée. Donc, vous voyez, comme j'avais prévu, je n'ai pas fait la dernière section. Oh, mais j'ai pris une petite. Voilà. Alors c'est pas facile, hein. Heureusement j'ai mis un truc à peu près uni parce que ça va pas avec un imprimé quand même, hein, ce châle. Hein. Non, non, là j'assume pas, c'est clair. Mais voilà, il fait une bonne taille. Moi je le porte comme ça. Et c'est génial, j'adore. contre toute attente, bah oui, il y a de la brioche, il y a de la rayure. Je vois surtout le caramel que j'adore de nouveau dans les bois, mais je l'adore cette couleur. Et puis on le voit pas mal quand même. Hein. Ça, c'est pas ce que je préfère. Et je trouve que finalement, on le voit pas tant que ça. Surtout si je fais un nœud, ça se voit pas. Donc c'est génial. Et bah, je suis tellement contente de ne pas avoir fait la dernière bande. Moi, les rayures, je le sentais pas. Et puis j'avais hâte de finir quand même. Et puis moi, je tricote lâche. Donc de toute façon, il est déjà très grand mon châle. Et il me reste que 40 grammes de chaque laine. Donc, j'ai quand même utilisé à peu près 60 grammes de chaque laine. Et je vais essayer de vous montrer à quel point quand même il est grand. Voilà, si je le mets comme ça, vous voyez, il m'arrive quand même. Voilà. Donc, ça reste une belle bête. Alors là, ça ne va pas avec mon pull, hein, clairement. Je trouve que ça ne va pas dès qu'il y a un imprimé dessous. C'est too much. Mais sinon, bah, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Je pensais pas être ravie d'un châle de Stephen West, franchement. J'étais sceptique avant, mais. Puis alors, il s'est détendu au blocage. Hein. Franchement, avant blocage, je voyais pas les rayures foncées, là. Je voyais que le clair. Et donc, ça s'est vachement détendu. Là, maintenant, on voit vraiment des rayures. Pareil pour autre chose que je voyais pas avant. Bah oui, tout simplement ça, là. Ça, pareil, je voyais que le caramel. Je voyais pas les rayures avant blocage. Et pourtant, j'ai pas du tout fait agressif. Hein. J'ai juste posé par terre. Donc ça s'est vraiment détendu de façon incroyable. Alors, faut dire, moi, j'ai suivi la taille d'aiguille préconisée par Stephen West, mais je tricote très lâche. Donc je pense qu'il est peut-être un peu plus grand que ça devrait. Que dire d'autre? Que dire d'autre, que dire d'autre? Je vous ai déjà dit, hein, étape par étape, je ne vais pas vous redire. Ce que je n'avais pas fait l'autre fois, bah, je n'avais pas fini ces rayures. Donc j'ai fait la brioche après. Bon, bah, moi, la brioche, il n'y a pas de problème, j'adore ça. Et puis ces petites croix, là. Alors ça, j'ai trouvé ça marrant. Alors j'ai vu dans la vidéo de Tricolibri qui disait qu'elle avait un mal fou à passer. Elle n'arrivait pas à passer les mailles. Elle avait été obligée d'enlever l'aiguille, hein, et elle avait gardé que le câble pour passer les mailles. Je sais pas, j'ai pas eu de problème. Donc je pense que c'est que je tricote beaucoup plus lâche que Emma de Tricolibri, tout simplement.
Hein, ça, suivant comment on tricote. Donc voilà, mais alors qu'est-ce que c'est long? Parce que c'est le moment où on est sur le plus long et donc bah, c'est quand même très, c'est quand même long à faire. Hein. Voilà. Donc, et puis c'est surtout c'est psychologique parce qu'on sait que c'est la fin. Et mais c'est pas fini parce qu'après il y a quand même l'i-cord. Et l'i-cord, c'est ce qu'il propose, hein, Stéphane. Hein. Moi j'ai pas, j'ai rien modifié par rapport à ce qu'il propose, hein. Rien du tout parce que c'est vraiment dans le dernier indice. Il propose de remplacer les rayures par cet i-cord. Donc moi j'ai fait la deuxième option. Enfin la première d'ailleurs parce que c'est la première option qu'il propose. Donc j'ai fait la première. Et bien un i-cord long comme ça, bah oui, celles qui savent savent, hein, et ceux qui savent savent aussi, c'est hyper long quand même. Mais c'est aussi psychologique, on sait que c'est la dernière étape avant qu'il soit fini. Donc voilà, c'est. On devient impatient, forcément. Donc quel plaisir d'avoir fini, enfin, ce châle, c'est clair. Voilà, donc on va passer à la suite. Et non, sauf que je ne vous ai pas montré ce qui me reste, ça et ce que j'ai mis dans le gnome. Ça, c'est de la sélène, donc je pense que je peux faire des chaussettes clairement avec ça. Ça, c'est de la single. Donc ça, je ne ferai pas de châle. Je ne ferai pas de chaussettes, ça c'est sûr. Donc je ne sais pas, je ne suis pas inquiète. Ça peut aller dans des jacquards, dans des châles. Enfin, sauf que non, j'ai décidé d'arrêter les châles. J'ai fait un col et un châle là. Stop. J'ai trop de châles. Voilà, donc, qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Alors, il y a un tout petit projet. Alors, je vous montre ça. Je viens de terminer. Alors, vous allez voir l'histoire un peu incroyable. Je viens de terminer cette moufle. Alors, c'est un modèle d'Andrea Mori. Je l'ai là, je l'avais imprimé il y a longtemps. Voilà. C'est une moufle qui a la particularité de pouvoir avoir un petit revers ici qui permet de la transformer en moufle. J'adore. Donc ça vient de tomber de mes aiguilles. J'ai même pas rentré les fils, je vous les cache un petit peu, faut que je rentre les fils, faut que je bloque quand même un petit peu, même si on s'en fiche de bloquer ça, je sais pas si je vais bloquer. Voilà, donc ça c'est une, j'ai dû faire une seule moufle parce que en fait j'avais déjà fait ces moufles l'année dernière et ma fille à la fin de l'hiver a réussi à en perdre une. Mais il me restait de la laine, il me restait encore plus que ça parce que j'ai réussi donc à faire une deuxième, une troisième mitaine. Et il me reste encore tout ça. Cette laine c'est de la Heidi Heidi, c'est de la Deka, c'est de la Mérinos Wayak, rien que ça. Coloris Malicia, c'est un bonheur à tricoter, j'adore. La couleur est pas mal, hein. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais franchement, c'est pas loin. Et l'autre, bah donc, elle existait déjà, hein, sauf que. Donc voilà, ça c'est la mitaine de l'année dernière qui a survécu, mais, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai détricoté le petit talon, parce qu'évidemment, ma fille a grandi, enfin a grandi, de toute façon c'était déjà un peu petit, elle m'a dit que c'était un peu petit, en fait quand elle le met, comme c'est petit, ça s'écarte ici, donc elle a un trou là, ça lui plaît pas, donc bah, je lui ai dit, écoute, je vais faire plus grand, et puis je vais défaire l'autre, quoi, donc ça y est, j'ai défait, et là je repars, alors je sais pas ce qu'il me reste à faire, je sais pas s'il me reste beaucoup à faire, on va essayer de comparer, parce que je tourne, mais je me rends pas compte où j'en suis, en fait, ah bah il me reste pas grand chose à faire. Va peut-être falloir que. Alors, c'est ça le problème. J'arrive pas à les faire identiques. Mais alors, j'y arrive pas. Je comprends pas. Je suis les indications, je suis le nombre de rangs, mais ça fait pas pareil. Donc là, j'ai un gros problème sur le pouce. Je sais pas ce que j'ai fait à l'époque. J'ai pas suivi les explications. C'est pas possible. Quand je suis les explications, j'arrive à un pouce comme ça. Bah, donc, j'ai fait la même taille. Je comprends pas. Je sais pas ce qui m'a pris l'année dernière. Hein. Je me souviens pas. J'ai pas pris de notes. Je prends pas de notes en fait. Il faudrait que j'en prenne plus hein, sur Ravelry pour savoir. Parce que là, alors, elle a essayé. Elle m'a dit non, c'est pas grave. Donc, je vais laisser comme. Je vais essayer de la relaver celle-là par contre pour essayer de tirer là-dessus. Mais là, par contre, je me suis dit pour que tu aies plus le trou là, bah, il faut absolument que j'agrandisse ici. Donc là, j'ai pu détricoter facilement. L'avantage, c'est que comme je venais de faire ça, je me suis dépêchée de détricoter juste après avoir fait ça parce que comme ça. C'était bien frais dans ma tête comment c'était fait là, donc c'était facile à détricoter. Alors là aussi, je pense que c'est facile à détricoter ceci. Donc je fais en mini-aiguille, sauf évidemment ça, je l'ai fait en magic loop avec un plus grand câble. Et là,
Pareil, hein, au moment des diminutions, je suis repassée sur le grand câble. Donc j'ai toujours un grand câble à côté, là, cette fois. C'est quand même beaucoup plus confortable pour faire du Magic Loop, hein, effectivement. Donc là, j'ai déjà dû. Donc j'avais repris l'ancien fil, hein, mais voilà, je suis déjà arrivée à court de l'ancien fil. Et donc j'ai repris la pelote pour agrandir. Donc voilà pour ces mitaines que je veux vite finir. Parce que bah, ma fille a froid, il fait froid. Donc il faut que je me dépêche de finir. Et là, j'aimerais bien qu'elle ne l'ait pas à nouveau parce que ça va me gonfler quand même, même si c'est bien l'occasion de les remettre à sa taille. Mais bon, ceci dit, j'adore faire ces mitaines, c'est j'adore ce modèle, c'est hyper rapide à faire. Ça, j'ai fait mais vraiment en quelques jours. Alors, je me suis pas mise à fond non plus, c'était comme partie de séance. Donc, voilà. Ensuite, mon pull en cours là qui traîne depuis des mois, des mois, des mois. Parce qu'il n'est jamais prioritaire, et il ne l'est toujours pas d'ailleurs, parce que là je vais finir les mitaines, et après je vais passer à Harry Potter, donc, et surtout au nain, au gnome de Noël, pardon. Donc bah, je ne suis pas prête de. Alors, en plus, je ne voulais pas préparer là. De toute façon, j'avais montré il y a deux podcasts de ça qui m'allaient, ça, il n'y a pas de problème, et puis bah, voilà, j'en suis au jacquard quand même. Mais voilà, je tricote très peu, donc il n'avance pas, il n'avance pas. Et pourtant, je l'adore. La laine est hyper douce. C'est de la mérino. La bleue, là, c'est de la Arco-Iris Yarn. C'est un bleu magnifique. On le voit plus là parce qu'on a fait. J'ai fait des raccourcis là pour le dos. Où je vous ai pas dit, je vous ai pas redit. C'est l'Oxalis de Marie Amélie Design. Donc, avec la petite modification que je n'ai pas fait les côtes. Donc, je vais les relever les côtes après à la fin pour pouvoir les adapter vraiment comme je le souhaite. Voilà, et donc j'ai fait le premier motif de jacquard, après on fait des augmentations et on refait à nouveau un motif de jacquard, donc j'ai presque fini le jacquard. Donc après ça sera vraiment zéro cerveau, ça sera tout uni. Donc voilà, ça se passe vraiment bien, sauf que c'est dommage, c'est pas mon sujet, mon tricot prioritaire, donc il n'avance pas. Mais je me fais pas de soucis, il y a le Lainathlon de la boutiqueuse qui repart au mois de janvier, donc là. Donc là, bah, ça sera que du bénef. Tout ce que j'aurais tricoté avant qu'il commence. Ben non, il commence bientôt. Ah ben non, il commence bientôt. Ben non, j'aurais pas tricoté grand-chose. Bon, tant pis, bref. Mais en tout cas, ça va motiver à le finir. Forcément, je vais calculer. J'ai pas encore calculé quel match faire. Mais bon, il va forcément compter dedans. Donc ça doit être à peu près 1000 mètres et quelques. Donc, je calcule, non, c'est rien. Je sais pas. Parce que finalement, bah, ce qui aurait été intéressant, c'est que je finisse pas le châle. Et que là, alors là, ça m'aurait exclu. J'aurais pu aller dans un match très fort. Ceci dit, c'est bien de prendre le plus petit match. Parce qu'on n'est jamais nombreux dans le plus petit match. Et donc, du coup, on a plus de chances de gagner. Et une année, j'ai gagné grâce à ça, je pense. Donc, c'est pas mal. Voilà, bah, je crois que j'ai fini. Alors, attendez, parce que je vérifie. Ça me paraît bizarre d'avoir déjà fini. Vous voyez, quand je vais trop vite, ça m'étonne. Bah non, j'ai fini. Bah, c'est cool. Alors, est-ce que je vous fais une petite partie salon CSF? Ça serait quand même pas mal, bah oui, parce que quand même, j'y suis allée 2 jours, donc on va passer à la partie salon CSF. Alors, le salon CSF, oh là là, quel plaisir d'y retourner, franchement, ça m'a fait un bien. Oh, 2 ans, hein, que ça n'avait pas eu lieu. Donc vraiment, j'étais excitée comme une puce de pouvoir y retourner, c'était génial. Donc j'ai pu y aller 2 fois. Alors, je vais y aller avec Ferry Marylise sur Instagram. Malheureusement, au dernier moment, elle a eu un gros empêchement, la pauvre. Donc, bah, c'est pas grave, j'avais pas osé ma journée pour y aller, donc j'y suis allée quand même. Enfin, c'est pas grave, je veux dire. Pour moi, c'était pas grave, pour elle, mais la pauvre, j'aurais pas aimé être à sa place, mais voilà, elle prend ça avec philosophie, je pense. Et donc, bah, je me suis retrouvée toute seule. Et alors, moi, quand je suis toute seule, bah, je fonce, je veux tout voir. Enfin bon. Pour ça, ça a été bien. J'ai foncé, j'ai tout vu. Enfin, j'ai tout vu, presque. Sauf là, bah non, parce qu'en fait, j'étais quand même à un moment où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Là, dès 11h30, il y avait un full, full, full. Donc, non, il y a des stands que j'ai pas vus parce que c'était inabordable. Mais. Il y a un stand qui était très. Je crois que c'est ça mon premier achat. Non, mon premier achat. Bah oui, parce qu'elle, elle n'avait pas foule. C'est Brittany Pompadour. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a fait un livre de broderie. Alors, faire de la broderie pour la connaître. Hein. Et voilà, donc là, il n'y avait personne. Donc, je me suis approchée. J'ai pu discuter un petit peu avec elle. J'ai fait encore ma cliente difficile. Parce qu'elle vendait des kits de broderie. Donc, avec tout, quoi.
le modèle, le tambour et le fil. Mais bon, moi, j'étais là un peu sceptique, et puis elle finit par dire, alors si vous avez déjà les fils, pas de problème. Donc je lui dis, bah oui, justement, j'ai plein de fils. j'ai déjà les tambours, donc elle dit, oh, pas de problème, pas de problème. Elle était super sympa. Oh là là, elle est géniale, cette fille. Oh, j'ai adoré. Je sais pas si elle s'appelle Britney dans la vie, mais enfin, j'ai adoré cette fille. Oh là là. vraiment, vraiment génial. Et donc là, j'ai craqué sur ce modèle. Alors, c'est pas commun. Mais voilà, moi, j'ai vécu plusieurs années sous les toits d'immeubles haussmanniens à Paris. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé des souvenirs de jeunesse. Je sais pas du tout. C'était un craquage comme ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Et puis, ben moi, la broderie, j'ai réalisé que je faisais ça que quand il y avait des défis sur Instagram et qu'on se motivait. Mais bon. En tout cas, franchement, une belle découverte. Ça, c'était un partenariat avec Atelier Mouti. Je ne connais pas, mais voilà, ça donne envie. Je pense que c'est Atelier Mouti qui avait fait le dessin. Voilà, donc elle, elle l'a fait. Elle avait un modèle présenté. C'était en uni. Donc, c'est vrai que ça donne envie de le faire en couleur unie. Pas vraiment besoin de mettre des couleurs là-dessus. Très sympa. Je vais passer vite. Après. Il y avait un autre stand aussi où il n'y avait pas trop foule. Un peu quand même, hein, un peu quand même, mais pas foule au niveau des patrons sur le portant qui montraient les vêtements cousus. Donc c'est Dressure Body, je ne connaissais pas du tout. Mais bon, j'avais une collègue qui y était allée la veille et qui avait déjà craqué sur ce stand, donc ça m'a intriguée. Et là, j'ai adoré voir les vêtements sur les portants. Et quand j'ai surtout craqué sur ce modèle. Hein. Et en plus, quand la fille, qui est charmante d'ailleurs par ailleurs, la modéliste là nous a dit le tissu est chez Cousette juste en face. Là. Donc j'ai acheté le patron. Alors pas simple, hein, c'est niveau avancé, je suis d'accord parce que les plis, là j'ai regardé les explications, heureusement c'est super bien expliqué. J'ai tout compris. Elle nous aide bien à faire les plis. Elle nous explique bien comment faire les plis. C'est pas plus simple. Mais j'ai craqué avec le tissu de chez Cousette. Alors attendez, je l'ai là, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Parce qu'alors là, c'est aussi pour ça que j'ai craqué sur le patron, c'était l'association tissu, quoi. Donc je suis vite allée après chez Cousette. Alors là, il fallait jouer un peu des coudes pour approcher du stand, mais j'ai réussi. Et oh là là, bon, c'est plus beau en vrai. Hein. Mais si vous le connaissez, vous savez. Il brille en plus. Donc c'est vraiment de saison, quoi. C'est dommage, hein, je ne vais pas arriver à le faire. Hein. Je pense pas arriver à le faire, hein, parce que j'ai trop d'envie en ce moment. Moi, plus Noël approche, plus j'ai d'envie, c'est ça le problème. Donc je ne mets pas plus la pression que ça. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il y aura un nouvel automne, il y aura un nouveau Noël. C'est pas grave. Et puis en plus, là, bon, j'ai craqué sur ce modèle parce que ça, c'est tout simple. Et elle l'avait sur son portant en double gaz. Et moi, j'ai la double gaz dont je ne sais que faire. J'ai pas d'idée de réalisation avec ma double gaz. Et là, j'ai trouvé que c'était magnifique. L'association de ce modèle avec sa double gaz. Donc voilà, ça c'est vraiment pour utiliser mon stock. Et ça c'est parce que voilà, j'ai adoré. Voilà. Oh là là, non mais j'adore ce tissu. J'adore, mais j'ai qu'une envie. Mais voilà, je vous ai déjà dit ça la dernière fois que j'avais aussi un tissu ID que j'avais hâte de coudre. Enfin bon, bref, j'ai trop trop de choses à coudre. Et chez Cousette, ils offraient ce sac. Très sympa. Ça change du tote bag classique en plus. J'aime beaucoup. Donc j'ai mis tous mes achats dedans. Ah, j'ai les cheveux raplapla. Aujourd'hui, ça m'énerve en fait. Excusez-moi. Là, j'ai fait un craquage complètement irraisonné. J'ai craqué là-dessus. Il l'avait présenté, mais il était trop mignon. Mais j'ai senti le truc. Hein. Mais les explications, je vais y arriver là. Ouais, bon, bah j'ai lu les explications. C'est pas du tricot, c'est de la couture. À vous de vous débrouiller pour trouver des tissus comme ça. Voilà, là, les finitions, faut pas regarder de trop près. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire en tricot. Donc, pareil, bah, c'est raté. Pour Noël, j'y arriverai pas. Pour Noël 2021. Pour no Noël 2022, c'est bon. Pas de problème. J'y arriverai. Donc, bah voilà, je vous raconterai mes aventures avec ça. Et donc ça, c'était le premier jour. Et bah oui, je crois que je me suis arrêtée là le premier jour. C'est déjà pas mal. Je me rends compte que j'ai encore oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave. On va faire pause et je vais vous parler le deuxième jour. Voilà. Je suis allée chercher ce qui me manquait. Donc le deuxième jour. J'ai pu y aller avec une copine, une autre copine, alors qui n'est pas sur Instagram, mais une très bonne copine. Donc ça m'a fait très plaisir d'y aller avec elle.
Et bah là, c'est différent parce que bah on prend plus de son temps. Enfin voilà, je m'adapte. Moi, je suis un peu. Puis surtout, bah j'avais déjà tout repéré la veille, donc j'avais en plus envie de revoir les stands. Donc je lui ai dit bah tiens, là il y en a un, là faut absolument que j'y aille. Donc c'était chez Vera qui vend des moules de pâtisserie. Donc elle faisait une offre pour 12 achetés pour le prix de 10. On n'avait pas besoin de. J'en avais pas besoin de 12. Et là, on s'est dit, bah attends, génial, elle me dit moi non plus. Donc bah après tout, on en prend 12 et puis on se partage 6 chacune. Donc voilà, c'est des emporte-pièces comme ça. Alors on fouille, hein, on prend ce qu'on trouve. Et j'avais très envie de tester des modèles de Noël. Donc je vais en mettre dans le calendrier de l'avent de ma fille pour qu'on fasse des biscuits de Noël. C'est bien la mode en ce moment, avec un petit glaçage. Alors j'ai pas pris que Noël parce que déjà elle avait pas, elle se faisait un peu dévaliser en modèle de Noël, mais ça je me suis dit que ça faisait, c'était marrant les petites formes de personnages. On a un chat donc j'étais obligée, on a des poules donc j'étais obligée et je tricote donc j'étais obligée. Voilà, je vous la fais courte. Voilà. Donc bah je testerai, je vous raconterai, je testerai sûrement dans mes vlogmas d'ailleurs. Ensuite, où est-ce que je voulais passer? Non, bah c'est tout. J'avais pas forcément d'envie, mais bon, en se baladant, en s'arrêtant sur des stands, bah voilà, j'ai de nouvelles envies qui se sont créées. Et on s'est arrêté tout un moment sur le stand d'artisanes. Alors, on avait le stand pour nous parce que c'est le moment du défilé, donc il n'y avait personne. Mais et donc ça m'a fait craquer sur ça. Voilà. Donc j'ai même pas encore ouvert. C'est pour faire des culottes menstruelles. Donc, bah, je ne sais pas. Je vous raconterai ce que ça vaut. Voilà, je l'ouvre pour la première fois devant vous. Donc, il y a tout le nécessaire. Et voilà, donc il y a bien une planche patron. Hein. Je ne me suis pas fait avoir. Voilà, donc ce que c'est. Et puis, bah voilà, on va essayer. Moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est écologique. Voilà, et voilà quoi. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour tenter l'aventure. Donc ça, c'était pas du tout prévu, mais voilà, de rester sur ce stand. On m'a bien vendu l'article, pas de problème. Donc voilà. Et puis si je voulais absolument acheter. Ah oui, alors je ne sais pas montrer les boutons. Oh, je les ai pas là. Ah, oh, j'ai trouvé des magnifiques boutons aussi. Chez Atelier Camlire, forcément, mais je vous les montrerai avec le projet qui va bien. Voilà, ça sera aussi bien. Et puis des boutons chez au stand comme une idée. Alors ils ont un site internet comme une idée, comme le chiffre 1 idée, vous trouverez sur internet. De toute façon, je vais essayer de vous mettre les liens. Donc ils vendaient des boutons qui sont faits dans le Jura. Donc je ne sais pas trouver sur leur site d'ailleurs. Donc ça c'est génial. Pareil, vous les verrez quand je ferai un tricot qui va bien. Et puis ils vendent aussi du papier transfert. Et donc là j'ai craqué. Il m'a d'abord fait faire un test moi-même, il n'y avait pas grand monde, c'était bien. En fait, c'est que le midi qu'il y a un monde fou, après ça se calme. Donc voilà, là il m'a fait tester de poser ce papier sur ce sac, donc il m'a offert le pochon. D'ailleurs, il y a leur marque décrite ici. Oui, c'est ça, c'est à l'envers, non, c'est bon. Et donc, après à la maison, il m'a donné les chutes, donc je me suis amusée, j'ai une perforeuse qui fait des formes de lapin, donc j'ai mis, puis j'ai mis mes petits. Toujours la tête à l'envers, mais il est pénible. Pff, voilà. Bref, j'ai mis mes petits pins. J'ai oublié d'où ils viennent à force, ça fait tellement longtemps que je les ai. Donc voilà, je vous l'ai pas dit, mais c'est pour ça que je trouve qu'il c'est le seul, il fait Noël ce sac, donc j'ai mis mon gnome de Noël dedans. La laine pour le gnome. Et donc je vais acheter du papier. Donc ça, c'est pour essayer d'utiliser, parce que pour rappel, moi j'ai la machine de découpe silhouette portrait. Pour le moment, je m'en sers que pour faire des stickers et encore, j'en ai pas fait beaucoup. Et là, je me suis dit que j'allais essayer quand même de faire des transferts textiles en fait. Voilà. De les faire moi-même et pas forcément de les acheter chez Superbison. Mais alors, je serais pas aussi jolie que Superbison, hein, donc c'est pas comparable. Donc voilà, j'ai acheté ça pour essayer de faire des choses pour ma fille. Donc ça, je sais pas quand, il n'y a pas d'urgence, c'est pour tester. Ça va bien d'en avoir très peu comme ça. Et puis franchement, j'ai trouvé le résultat hyper sympa quand même. Hyper sympa.
Et ensuite, voilà, je crois qu'on arrive à la fin de mes achats parce que ça fait déjà beaucoup. J'ai craqué sur le. Alors, la laine, là, il n'y a pas beaucoup de stands, mais il y avait un pôle éthique, hein, c'était super sympa ça. Et il y avait à part. Lui, il n'était pas dans le pôle éthique, mais voilà, c'est la ferme d'Amalté. Donc, c'est quand même de la laine locale. Alors, c'est peut-être pas éthique, je ne sais pas pourquoi c'est pas éthique, mais bon, bref, il n'était pas là en tout cas. Mais lui, il avait un grand stand, hein, il vendait. Beaucoup de laine, il avait trois types de mohair en fait, de mohair et soie, avec un grammage différent, un pourcentage différent, on va dire. Et donc, waouh, bon, c'est plus beau en vrai. Mince. C'est un violet très foncé, c'est un rose très foncé, on va dire. Donc, pas du tout comme ça. Voilà, mais bon, bref. Voilà, on n'est pas loin là. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Voilà, là, vous voyez. Je ne vais pas bouger parce que là, vous voyez un peu la texture du mohair et là, vous avez la bonne couleur. Voilà. On est resté tout un moment à discuter avec le mec qui appartient à la ferme, j'imagine, la ferme d'Amalté. Et donc, tout d'un coup, je sors parce que j'avais apporté des petits bouts de laine en fait pour acheter des boutons. Et donc, j'avais apporté un petit bout de laine de ça. Mais tout en me disant, en laissant tomber, je trouvais pas. Puis je me suis dit, mais de toute façon. Alors l'avantage, c'est que c'est faux aussi, ça, mais du coup, c'est assorti, c'est bien. C'est assorti quand même, comme dans la vraie vie. Ils réagissent pareil, ils réagissent exactement pareil à la caméra. C'est un bon signe. Voilà, quand j'ai sorti cette laine, je l'ai apportée comme ça vers le mohair. J'ai dit, mais punaise, mais ils sont faits pour aller ensemble. Mais ils sont faits pour aller ensemble. Voilà la preuve, hein. Même la vidéo les traite pareil. Oh! C'est pas la bonne couleur, mais ça vous rend pareil. Oh là là, c'est impressionnant. Donc, ils m'ont appelé, quoi. Parce que sur le moment, je me dis, bah non, c'est pas raisonnable. Je peux faire. J'ai déjà payé cher, c'est de la laité Alger. Je vais peut-être pas rajouter du mohair en plus. Enfin, ça va, quoi. Mais en même temps, en ce moment, je porte que des pulls. Je porte surtout mes pulls avec du mohair. J'ai envie de porter que ça en ce moment. Donc, je me suis dit, de toute façon, j'ai envie de tricoter du mohair, donc allons-y. Puis, je sais pas, ça m'appelle, quoi. C'est pas possible, c'est le destin. Ils se sont faits pour aller ensemble. Je ne peux pas l'ignorer, quoi. C'est pas possible. Donc, bah voilà, je suis partie. Alors, en plus, je me dis que ça a peut-être du coup, parce que moi, c'est quand même très nuancé, la LTLG. Et pour faire un haut, je me dis que c'est pas plus mal d'atténuer ça avec du mohair. Ah, c'est un peu moins vrai, là. Donc, voilà, on n'est pas très loin, là. Voilà. On est très bien. Donc voilà, c'est parti. J'ai de quoi me faire un petit pull. Alors là, j'ai très envie de me refaire un 13 KO du coup avec ça. C'est pas original, hein. Il faudrait que je varie un petit peu. J'ai très envie de me faire le Love Note aussi. C'est étonnant, hein, je détestais ce modèle, hein, pendant longtemps parce que je me suis dit, mais on voit tout à travers ici. C'est complètement idiot ce truc. Et puis à force de voir des jolies versions quand même, on en voit énormément de jolies versions. Où finalement, c'est pas si ajouré que ça. J'ai prévu de le faire, mais pas avec cette combo là. Pas avec ce combo là. Je vais le faire avec une autre combinaison. C'est pour ça que je mets ça avant. Je dis une combo. Combinaison. Voilà. Donc, seul craquage, les nœuds. Et puis, donc, un seul craquage en tissu. Vous avez bien vu. Enfin, si, il y a le tissu de ça. Mais alors là, c'est différent. Je sais pas trop comment compter. Parce que moi, je compte tous mes mètres de tissu. Mais alors, je sais pas comment compter ça. Hein. Je crois que je vais mettre un petit forfait à 0,2 mètres et puis voilà, on va pas s'embêter. Il doit pas y avoir beaucoup plus que ça de chaque tissu. Et puis ça sera cousu ensemble. Donc mais en même temps, oui, ça fera de la place quand j'aurai utilisé ça comme ça. Prend un peu de place. C'est même dur à croire que ça fait l'équivalent de deux culottes quand même. Hein, parce que j'espère qu'il m'en restera un petit peu d'ailleurs pour faire une troisième. Quand même. Voilà, donc. J'ai fini, on va s'arrêter là. Merci de m'avoir regardé et puis bah, j'espère vous retrouver pour des vlogmas. Alors pas quotidien, hein. Les jours où je travaille, ça n'a aucun intérêt. Hein. Vous allez, je ne vais pas vous raconter grand-chose d'intéressant à part pour dire je travaille. Donc du coup, je pense que ce sera plutôt des vlogs hebdo. Hein, on verra. Voilà. Allez, bah profitez bien de cette période où les fêtes arrivent, où on pense de plus en plus à Noël. Alors, et même si on ne sait pas ce qui va nous arriver encore avec ce Covid, on commence à avoir l'habitude, j'ai envie de dire. Je me dis que c'était moins une de pouvoir aller au CSF, faut en profiter hein, quand on peut faire quelque chose, parce qu'on ne sait pas si ça va durer quand même.
Donc voilà, bah, je vous dis à bientôt. Tu vas finir, vous? Vous allez faire quoi? Des sacs.